Hey yo, salut à tous, c'est Partival et aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 4 pour l'Edimbourg Horizon Tour 17 et 18. Donc c'est parti, hein, on lance. Donc c'est des rétro saloons, je crois, je suis pas sûr. Donc c'est parti, let's go. Allez, let's go, c'est parti, boîte manuelle avec embrayage, passe la première et on y va. Ouais, ça commence bien. Et oh là là, on me pousse par derrière. Bon, ça sert à rien de passer à quatrième. J'essaye de le. Je l'ai gratté par l'intérieur. Ouh! Allez, c'est parti. On repasse la troisième. Ouais, voilà, voilà. Je lui ai fait perdre sa plaque d'immatriculation. Je lui ai foncé dans les fesses tellement fort qu'il en a perdu sa plaque. Eh non, non, je suis en train de glisser. Eh voilà, catastrophe, c'est. Oh là là! Carambolage. Non, bah rien, vous voulez pas me lâcher, souvenir. Putain, mais c'est pas possible ça! Reste au moins sur la route. Bon. Rien n'est joué. Oh là là, je fais des petits. Du petit saut, hop là, un petit trottoir, mes amis, un petit trottoir. Ah, on passe la cinquième. On passe la sixième. Hop, on casse quelques petits buissons, on ralentit. On essaye de rester collé, voilà, et là, bon bah là on freine. Hop, on repasse la cinquième. Je pensais l'avoir mal passé. Ça sert à rien de passer à la sixième, ça sert à rien. Parce que là, on va passer la quatrième, la troisième, hop. Là, on va passer la quatrième pour repasser la troisième. Hein, bah oui, bah, évidemment. Ça sert à rien de passer à la quatrième, tu... Oh. Ça sert à rien, ça sert à rien. Là... Aussi, ça sert à rien. En plus, il y a de la neige. Ouh là là, ça glisse. Oh bah, j'ai encore esquinté ma voiture. Faut pas que je perde le contrôle. Allez, là, on passe la quatrième. Ça sert à rien de faire le fou à essayer d'accélérer comme un ouf à la fin. Parce que si on glisse, ah bah, on est foutu. Eh bah, oui. Eh bah, oui, bah oui. Hop, on a gagné, hein. On s'en fiche. Ah, let's go, c'est parti, on lance la course. On avec les palettes. Eh, 10 tours. Oh ouais, on est au printemps en plus. Il y en a, ils sont déjà... Lui, il a déjà perdu sa plaque, lui. Mais allez, pousse-toi donc. J'ai entendu des pièces de voiture s'éclater. Ah bah oui, j'ai coupé hein, vers l'intérieur du virage. Oh putain de bordel. J'ai mal pris mon virage là. On peut pas tout simplement couper toutes les musiques parce que je vais en avoir partout et ça je trouve bah, j'aurai du copyright dessus. Oh non, j'ai pas assez tourné, dommage. J'ai pas modifié le moteur. Bon, si j'ai modifié le moteur, mais je veux dire, c'est pas le... c'est un moteur d'origine, c'est pas un. C'est pas un moteur V8 ou V10, c'est vraiment le moteur d'origine de la voiture que j'ai laissé. J'ai juste rajouté quelques compléments comme le filtre à air ainsi que
la ligne d'échappement. J'ai pas tout modifié, hein, bien sûr. J'ai pas mis de turbo. J'ai pas mis de tout ce qui s'ensuit. Sinon, on l'entendrait se gonfler. C'est une essence, donc on va pas se plaindre. Elle fait un bruit d'enfer. Elle ronronne. Cette alpha là, je vous le dis, elle ronronne. Là, j'ai de la saleté, j'ai de l'eau sur mon pare-brise qui veut pas s'enlever. Oh, oh là. Oh, on est déjà au quatrième tour, ça va, allez, on va faire un petit peu la discussion. Même si j'ai trop rien à dire, parce que je suis un peu, voilà, bah voilà, quand je parle, je suis déconcentré, hein. Ah, mais c'est magnifique. J'arrêterai pas de le dire, mais le jeu est magnifique. Surtout les effets sur le pare-brise quand il y a le soleil qui tape dessus. Bon, pas tout de suite, mais. Voilà, là je commence. Regardez bien le. Oh, j'ai cogné. Mais regardez bien le pare-brise. Au bout d'un moment, vous allez voir le reflet du tableau de bord sur la voiture. Voilà. Voilà. Actuellement, là, on voit le reflet du tableau de bord. C'est magnifique. Ouh, à chaque fois j'arrive ultra vite à ce virage-là et je m'en rends pas, même pas compte. Si j'oublie de passer les vitesses, ouh, ça va pas le faire. D'entendre son bruit là, comment ça me fait kiffer. Je suis étonné d'une Alfa Romeo. C'est pas le style de voiture que je vais conduire, mais franchement, la classe. Le mec qui a la flemme de rétrograder. Oh non, non, non! Oh, je l'ai senti! Ça me casse les oreilles la musique. Perso, ouais, ça me casse les oreilles là. Oui, ils s'éclatent là, la foule là, avec leur musique, mais moi ça m'éclate pas du tout. Moi ça m'éclate les oreilles. Surtout la ligne d'arrivée là, comment ça éclate. Ici j'arrive pas à. Peut-être que je vais faire. Hein. Je le verrai au montage, hein, mais je pense pas avoir déjà dépassé 280 km/h. Et j'ai fait des réglages aussi en S2, franchement. Rien à dire. Par contre là, ouais, j'ai tout mis, j'ai mis un V8. Je l'ai full amélioré sauf le baquet avant. Parce que ça sert un. Non, 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 non. Ouf. Ça sert strictement à rien à part passer en classe X, mais ça nous intéresse pas parce que nous on aime bien faire des classes. Des courses avec. Classées. Hein. Différentes classes. Classe S1, classe S2, classe A. Classe B, classe E, même s'il n'y a pas de classe E. Classe. Voilà. Chaque classe a sa spécificité. Je veux dire, chaque course a sa classe prédéfinie. C'est mieux. Il n'y a pas de style. Ah, vas-y, moi j'ai une vieille voiture. Et toi, t'as une bonne voiture.
et tu vas le larguer en deux-deux. Après, on peut faire des courses comme ça existe où il y a deux classes différentes. Qui veut dire que en fait, il va y avoir une classe en A et une autre en B. Même des fois, il y a des classes où c'est des vieilles voitures et d'autres classes où c'est des voitures ultra puissantes comme ça. Mais elles sont pas dans la même catégorie, c'est-à-dire qu'elles font leur championnat de voitures super puissantes et les autres ils font leur championnat de voitures moins puissantes. C'est deux championnats différents sur le même circuit au même moment. Eh oui, ça existe. Eh yes, on a terminé premier. Hop là, faut pas lâcher le volant, surtout dans un virage. Qu'est-ce qu'il y a, Lucia? Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour l'horizon. Tour, j'allais dire 2019 et 2020, mais non, c'est plutôt le 19 et le 20. Donc n'oublie pas de lâcher un pouce en l'air, qui fait plaisir, de t'abonner, ça fait plaisir, ça soutient aussi, ainsi qu'un petit commentaire, hein, même si c'est pour rien dire, ça fait plaisir. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao ciao!